C'est à vous, Grand Corps Malade. À votre tour, on va parler de votre nouvel album, le 6e album de Grand Corps Malade, Plan B. On a évoqué les chansons Patrick, pour se moquer un peu de Patrick Balkany. On n'a pas su d'ailleurs au fond, il a réagi comment Patrick Balkany à cette chanson-là tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça. Fidèle à lui-même. C'est-à-dire ? Il a dit le Valoisien m'élise depuis 35 ans, alors ce que pense ce monsieur Grand Corps Malade, ça m'est égal. Et c'est la vérité en même temps. Complètement. Comment vous expliquez alors qu'il est toujours élu et réélu Balkany à Levallois ? Ah bah, les gens à Levallois sont heureux, il a fait une belle ville, il a viré tous les pauvres, il a fait ce qu'il fallait pour que les gens votent pour lui. La chanson « Le langage du corps », ça c'est intéressant évidemment. Vous pouvez m'en dire deux mots ? Je peux vous faire un petit... Allez-y. Alors, le corps... Ouais, j'avais un texte qui s'appelait « Ma tête, mon cœur et mes couilles », que, voilà, bon, c'est un peu la suite. « Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a la tête, le cœur, les couilles, ça vous le savez déjà. Mais les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire. Chacun veut prendre le pouvoir et le pire est à venir. » Il y a bien sûr la bouche qui a souvent une grande gueule. Elle pense être la plus farouche, mais se met souvent le doigt dans l'œil. Elle a la langue bien pendue pour jouer les chefs du corps humain. Elle montre les dents, c'est connu, mais n'a pas le cœur sur la main. Seulement la main n'a pas forcément le monopole du cœur. Elle aime bien serrer le poing, elle aime jouer les terreurs. Elle peut même faire un doigt, elle ne fait rien à moitié. La main ne prend pas de gants et nous prend vite à contre-pied. Le pied n'a pas de poils dans la main, mais manque d'ambition. Au pied levé, je dirais comme ça que le pied n'a pas le bras long. Les bras eux font des grands gestes pour se donner le beau rôle. Ils tirent un peu la couverture, mais gardent la tête sur les épaules. Il y a tout un deuxième couplet, et puis je vous fais là. Ça marche sans la musique, hein? Parce que là, vous le faites, comme on dirait, pour un chanteur a cappella. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a une direction musicale. C'est Angelo Follet qui travaille avec vous. Ouais, Angelo Follet, il faut citer son nom. Il a fait un travail incroyable sur mesure sur les textes. Et je vois sa photo. Ben Mazuet aussi a travaillé sur l'album. Ben Mazuet qui a composé la chanson Tu peux déjà. Où là, vous chantez, justement. Je chantonne, justement. Laquelle autre vous chantez encore? Parce que. Il y a Patrick et puis il y a Ensemble. Ah, Ensemble, voilà. La chanson Ensemble. Alors, la chanson Ensemble, là, j'ai envie de dire, c'est un peu. On vous reconnaît, là. C'est l'homme au grand cœur qui dit, il ne faut pas être individualiste. Non, mais ouais, alors oui, mais je le pense tellement. Puis je sortais, peut-être que c'est ça, l'expérience du cinéma. Souvent, les gens m'ont dit, mais alors ça t'a changé ta façon d'écrire? Non, je ne pense pas, le cinéma. Par contre, je suis sorti d'une aventure collective tellement incroyable, tellement fascinante. Et puis voilà, je crois tellement à cet esprit d'équipe que du coup, voilà, j'écris cette chanson qu'on s'amuse bien à faire sur scène en morceau final assez festif. Alors avant que Yann Moix et Christine Angot fassent quelques commentaires encore sur l'album et certaines des chansons qu'ils ont plus ou moins aimées en fonction des titres, parce que c'est aussi un album de variété, et il faut le dire, c'est très varié ce que vous proposez, même si vous n'êtes pas chanteur, vous êtes slammer, vous chantonnez maintenant de temps en temps sur quelques titres, mais c'est très différent d'un titre à l'autre, et vous nous proposez, on fait ça de temps en temps dans l'émission, en live dans On n'est pas couché ce soir, de nous interpréter une des chansons. Alors j'imagine que vous l'avez choisie parce que c'était la Saint-Valentin cette semaine, parce qu'elle s'adresse quand même à votre compagne, cette chanson, soyons clairs. Hein, on peut dire ça, oui. Non, mais oui, vous auriez pu nous le dire avant, que vous vouliez lui laisser un message par l'émission, quand même, Grand Corps Malade. La chanson s'appelle « Dimanche soir ». Bon, on n'est que samedi soir, ou peut-être déjà dimanche matin, mais il s'adresse, vous l'aurez compris, à celle qui partage votre vie depuis combien de temps ? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans maintenant. Pouvez-vous nous présenter le musicien qui vous accompagne ? Bruno Dias, qui a composé deux morceaux sur l'album, Ensemble, et celle-là, Dimanche soir. Dimanche soir, hein, des extraits de l'album de Grand Corps Malade, Plan B. De nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir, parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long, et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom, parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux, parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu, parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent, parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble, parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment.
sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elle brille, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Grand Corps Malade, dimanche soir, avec Bruno Dias à la guitare. Merci à vous d'avoir accompagné votre ami. Alors, on parlait de la vie privée tout à l'heure et de la transparence. À travers vos chansons, bah vous nous racontez un peu une partie de votre vie privée, votre amour toujours présent pour votre compagne, vos deux enfants aussi dans Tu peux déjà, c'est pas dans le titre, mais quand même, c'est voilà, au fond, la deuxième fois, la deuxième révolution, c'est toujours autant d'émotions. La deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'on est papa. Ouais, justement, c'est la première chanson où je chante vraiment. Et justement, le deuxième enfant, bah, il arrive en deuxième sur tout un tas de choses. Alors évidemment, c'est la même émotion, mais quand même, il arrive en deuxième. On a déjà vécu pas mal de choses. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de lui donner la primeur au moins d'un truc. Et je le dis à la fin de la chanson, il pourra se vanter d'être le premier à m'avoir vraiment fait chanter. Voilà, c'était ça l'idée. Mais la deuxième fois, ça fout encore les mêmes frissons. Ouais, ah commence, oui, je confirme. Ça commence comme ça. C'est une des chansons de l'album de Grand Corps Malade qui passe chez vous à travers la France et qui reviendra à Paris, salle Playel, puisque c'est déjà complet. Au Trianon en mars, il reviendra en décembre, mais avant, vous allez faire toutes les grandes villes de France. Yann, Christine, un mot encore chacun sur Grand Corps Malade. Tout à l'heure, je vous entendais chanter, enfin, slammer, et je me disais, Bobby Lapointe sort de ce corps. Enfin, ou plutôt, Bobby Lapointe sort de ce grand corps, de ce grand corps malade. Maintenant, vous avez une sorte de génie particulier, parce que vous êtes le seul type à dire, à préférer clairement le soleil à la pluie. On se dit, tiens, Grand Corps Malade trouve que c'est plus sympa quand il fait beau que quand il pleut. On se dit, oh le con. Et on réfléchit, ah mais c'est pas si con que ça. Et les gens trouvent ça intelligent, donc bravo. En fait, ça marche aussi avec la guerre et la paix. Par exemple, vous osez dire clairement que la paix, c'est beaucoup plus cool que la guerre. Et il y a pire encore que la guerre, c'est la mort qui est pas cool du tout. Et les gens se disent, il a dit ça, oh le con. Mais non, c'est pas si con que ça, puisque Grand Corps Malade l'a dit. Tout ah oui, c'est vrai, c'est génial. Non, mais tout donc pour cette alchimie forme particulière de transformer des clichés en trucs intelligents, merci, parce que d'habitude, c'est l'inverse. Intelligents paraissent des clichés. Vous êtes un anti-cliché, mais parce que tous les clichés que vous dites paraissent intelligents et sans doute qu'ils le sont. Voilà. Non, alors, juste un truc, je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai regardé Au Feu Rouge. J'aime bien l'album, hein. Vous savez que j'aime bien tout ce que vous faites. Et puis, comme on s'est rencontrés, on avait des béquilles tous les deux. Et moi, le jour où je l'ai rencontré, j'avais des béquilles. Je lui ai dit, toi aussi. Il me dit, oui, mais moi, c'est pour toujours. Moi, c'était que pour un mois. Et ça intéresse personne. Et j'ai oublié le nom de ma prof de maths. C'est une belle répartie, regarde. Alors, le truc, quand même, c'est Au Feu Rouge. Alors, Au Feu Rouge, vous dites que les Syriens. Donc, c'est un assez. C'est forcément un sujet qui vous concerne. Oui, un assez bel éloge de ceux qui ont traversé la mer dans des bateaux, dans des embarcations, malheureusement, souvent défectueuses, etc. Vous parlez de tout le parcours, de la violence avec laquelle on les accueille. Mais vous dites à un moment donné que vous les voyez cogner à votre vitre. Or, sauf erreur, parce que d'habitude vous êtes très précis, je ne pense pas que ce qu'on appelle les exilés ou les migrants ou les réfugiés tapent à la vitre des voitures, en fait. Même Porte de la Chapelle. Je pense que vous mélangez un peu. Alors, bien sûr, il y a des gens qui frappent à la vitre, mais je ne pense pas que ce soit ceux qui viennent de Syrie et qui ont échappé à Daesh, etc. Alors, déjà, je ne dis pas taper à la vitre, je dis les voir au feu rouge. Et ça, non, mais ce n'est pas vous qui tapez à la vitre. Non, non, mais je ne dis pas non plus qu'elle tape à ma vitre. Si, à la vitre. Non, je dis je la vois au feu rouge. C'est-à-dire que c'est écrit petit, hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de paroles, donc c'est... Non, mais il a raison. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Voilà. Ah, il faut être précis.
D'accord, elle ne tape pas, elle s'approche. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que, évidemment, je parle de Yann Nap, on parle beaucoup de Syriens. Moi, je lui dis non avec ma main, et je redémarre bien vite. Parce qu'elle vous demande de l'argent. Ouais. Mais ceux qui viennent de Syrie, etc., ils ne demandent pas d'argent en voiture. Comment vous savez? Parce que j'ai passé énormément de temps et ils n'ont pas besoin de faire la manche. Alors, je ne pense pas qu'on puisse savoir tout exactement sur tous les Syriens. Mais là où je vous rejoins, c'est que j'écris ce texte. Le but, évidemment, c'était de parler d'une Syrienne, mais aussi, on le voit, on a fait un clip. L'idée, c'était de parler des réfugiés en général, et juste de leur rendre un peu d'humanité, parce qu'on parle beaucoup d'eux en termes de chiffres. On en accueille tant, on doit en expulser tant. Ce n'est pas leur tant. Donner de l'humanité si c'est d'écrire quelque chose qu'ils ne pratiquent pas, par exemple. Vous voyez, faire la manche, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, d'extrêmement violent, d'extrêmement humiliant aussi. Ceux qui font la manche sont des gens qui sont malheureusement courageux de le faire. Oui, mais on parle des réfugiés, c'est-à-dire... Bon, alors, donc peut-être, c'est quoi? C'est les Érythréens ou les Guinéens ou les Tchadiens qui tapent à la vitre, finalement? Non, mais je ne crois pas. Ah bon? Mais il y a de la misère en France, on sait qu'elles sont en général les conséquences de ceux qui font la manche, c'est-à-dire qui vivent à la rue, etc. Mais le fait d'injecter une particularité, si vous voulez, celle de faire la manche, à une catégorie de gens qui ne la font pas, m'a un peu gêné. Je pense qu'ils la font comme les après, autres. Il est vrai que quand on passe... Je suis un peu d'accord avec vous, parce que du coup, on a fait un clip et on est allé les rencontrer, les réfugiés. On a fait un clip dans deux centres d'accueil, à Port-de-la-Chapelle, à Ivry-sur-Seine. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, qu'il y avait peu de Syriens en région parisienne. C'est un fait. Par contre, on a discuté quand même avec des Syriens qui ont lu le texte et qui nous ont dit que ça leur était arrivé. Alors, je veux bien que d'une manière générale, ce soit... Mais en effet, vous n'avez pas pu vérifier tous ceux qui étaient au feu rouge. Quoi qu'il en soit, quand on passe à cette fameuse Porte-de-la-Chapelle, quand les gens ne frappent pas aux vitres, on se sent de toute façon... On me demande quelque chose. Même s'il n'y a pas de demande formulée, de toute façon... On se sent coupable. On sait façon. Qu'on est sommé de répondre quelque chose. Voilà. Et l'idée, ce n'était pas, pas forcément de nous culpabiliser. Mais... C'était juste, c'est vrai que qui tape à la vitre ou pas, on croise ces regards-là. Et juste, l'idée, c'était de s'arrêter sur les regards et de se rappeler du parcours. Et de parler d'eux en termes ils ont un prénom, ils ont un pays d'origine, ils avaient une profession. Il y a une histoire derrière. Et il y a une histoire derrière, on oublie un peu. Voilà, on parle souvent des chiffres et des réfugiés avec un grand R, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Voilà, l'idée, c'était de parler un peu. Cela dit, la représentation est aussi elle-même souvent un peu cliché. Mais bon. Denis Olivier veut intervenir, je vous donne la parole tout de suite, Christine. Pardon, sur ce sujet. Mais je comprends très très bien le souci scrupuleux de précision de Yann pour ne pas qu'on confonde des populations et leur situation. Et je crois que. Il y a une formule célèbre qui dit qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Et je trouve que ce qui est merveilleux avec vous, c'est que vous arrivez à faire de bons slams et des bonnes chansons avec des bons sentiments. Et peut-être qu'ils se trompent, en effet. Peut-être que factuellement, vous vous trompez. Mais on comprend où vous voulez en venir tout à l'heure. La chanson que vous évoquez, que j'ai trouvée très touchante, le langage du corps, Bobby Lapointe, des jeux de mots. Mais en même temps, on sait que vous avez une expérience du corps. Votre film l'a montré, qu'on n'est pas forcément conscient, nous, de tout ça. Et vous avez réussi à transmettre positivement quelque chose qui a dû être douloureux et qui fait que votre corps a pris pour vous sans doute plus de signification que pour nous. Quand il fonctionne parfaitement, on s'en fout. Peut-être que quand il se met à dysfonctionner, on comprend. Et ça, c'est, je trouve que vous avez un talent inouï. Alors c'est vrai que vous revenez sur des thèmes absolument universels, l'amour, la mort, la paix, etc. Mais réussir comme vous le faites sur ces thèmes qui sont anciens, à retrouver une sensibilité nouvelle, à nous toucher, à nous transporter, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est même comme en l'époque, des fois, transforme les mots bons sentiments. Lorsqu'on les colle ensemble, ça devient quelque chose quasiment de péjoratif. On peut dire vrais sentiments, des vrais sentiments, bons sentiments. Après tout, c'est pas laid comme mot. Donc ça devrait être plutôt positif. Oui. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que ça devient péjoratif maintenant. Christine Angot. Si on l'a d'un point de vue purement sémantique, bons sentiments, c'est deux mots qui sont pas dégueulasses. Plutôt honorables. Christine. Voilà, honorable. Moi, je voulais vous parler de cette chanson Plan B. Donc, je vous dis, au début, comme je ne suis pas du tout amateur de slam, j'écoute comme ça un peu à distance. Et puis, je commence à rentrer dans ce que ça raconte, j'écoute et tout ça. Et je trouve que ça atteint, cette chanson-là, quelque chose qui est vrai pour nous tous, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, et notamment, particulièrement pour un artiste, mais sûrement pas seulement. C'est-à-dire l'idée que quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu
faire ce que ce qu'on pensait faire quand on était petit, avocat par exemple, ou médecin, instituteur, ou je sais pas, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat au fond d'un échec. Et de devenir artiste, en fait. Bah, d'accord. Et là, tout le monde pleure sur le plateau. C'est intéressant, mais... Il me semble. Pour ma part, c'est vrai. Hein, donc voilà, moi, il me semble. C'est le deuxième moment. Jules, c'est ce que dit Laetitia Hallyday en ce moment. Je n'avais jamais envisagé ce truc-là. Vous pourriez dire... En fait, c'est on est tous des ratés. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, d'un destin qu'on n'a pas voulu. Je suis pas artiste. Pardon ? Je suis pas artiste. Oui, vous êtes raté quand même. Souvent. Donc, en tout cas, dans l'histoire du plan B... Il y avait ça, parce que finalement, les gens qui deviennent artistes et qui, depuis tout petit, en ont rêvé, sont... il y en a qui rêvent de l'être et ils ne deviennent pas, et ceux qui le deviennent, souvent, ne l'ont pas rêvé. Donc, vous, qu'est-ce que... Racontez-nous. Ah, moi, c'est clairement un plan B. Moi, je faisais beaucoup de sport, on en parlait tout à l'heure. Du coup, bon, voilà, j'ai eu cet accident à 20 ans, et oui, je me suis découvert cette espèce de fibre artistique, parce qu'un jour, je suis rentré dans un bar où il y avait du slam, et j'ai découvert ça, et ça m'a mis une claque, et j'ai eu envie de participer. Mais j'avais, je sais pas, 26 ans, 27 ans, donc forcément, cette fibre artistique, je l'ai découvert sur le tard, et toute cette carrière aujourd'hui, c'est clairement un plan B. Mais du coup, derrière ce mot plan B, il n'y a rien de péjoratif, au contraire. Non, le plan B, c'est juste que chronologiquement, il vient après le plan A. Mais voilà, il y a des très jolis plans B. C'est vrai qu'il rend le rythme poétique. Et je ne vous parle pas des portues qui arrivent tout de suite derrière. Il y a encore quelques lettres avant. Mais moi, ça m'intéresse d'en discuter après l'émission avec vous de ce que vous avez dit. Parce que on peut en parler longtemps. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours eu envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je ne vois pas à quel moment j'ai eu envie de faire autre chose. Si, avouez que vous vouliez être... Être bouché, mais bon, comme tout le monde. Voilà, parce qu'à un moment, il y a la barbaque, quoi. Bon, j'aimerais revenir un instant sur le film, puisqu'on parlait justement du fait que, voilà, ça a été un plan B d'être slameur, chanteur. Au départ, vous vouliez être sportif. J'ai évoqué tout à l'heure la scène formidable du film où Dominique Blanc joue celle qui va vous annoncer, justement, qu'il y a un autre espoir à trouver. Ça qui est beau, d'ailleurs, dans le film aussi, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas qu'il l'espoir s'en va, c'est qu'il faut trouver un deuxième espoir. L'espoir adapté. Exactement. Ben voilà, c'est le titre de la dernière chanson de l'album, l'espoir adapté. Et à un moment donné, il y a un des personnages, pas le personnage principal, mais il y en a un qui dit, c'est vrai qu'on remarque ça aussi dans le film, il dit à propos du centre de rééducation, il n'y a que des oufs ici, des cas sociaux, des caïra, mais ils sont où les riches, les normaux? Est-ce qu'ils ont des centres pour eux? Ils n'ont pas d'accident, les blindés. Voilà, exactement. Ils n'ont pas d'accident, les blindés. Là, on revient au monde social. Est-ce que ça, c'est quelque chose vraiment que vous avez ressenti à l'hôpital? Oui, ouais, à cette époque-là, c'était un fait. On venait plutôt tous de quartiers plutôt populaires. Et comment vous l'expliquez alors? On l'explique mal. Donc, dans le film, on dit c'est quoi? C'est qu'on vient de ces quartiers-là, 20 ans, on est un peu plus fou que les autres. Ce n'est pas très scientifique comme réponse. Après, on a fait une longue tournée d'avant-première. Et cette question, aux rencontres avec les publics après le film, elle est souvent revenue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, voilà, moi j'étais en centre, c'est vrai que c'était comme ça. On a eu aussi des contradicteurs qui ont dit, non, moi, il y avait un pilote de ligne et machin. Donc voilà, on se permet de poser la question parce que moi, à mon époque, c'était clairement ça. Pourtant, géographiquement, ce n'était pas un centre uniquement pour la banlieue nord ou quoi que ce soit. Mais on n'a pas la réponse. Mais quand on n'a pas la réponse, on aime bien quand même poser la question. Bon, bah, en tout cas, c'est dans le film et c'est vrai que ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est vrai, au fond, peut-être, il a raison. Je me suis dit, il y a peut-être des cliniques privées, des centres de rééducation. Non, après, ceux qui ont vraiment, vraiment beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre d'avoir des soins à domicile. On voit, par exemple, comme dans le Philippe Pozzo di Borgo, on imagine qu'il intouchable. A intouchable, le vrai d'intouchable. Il n'a pas forcément été dans un centre, je ne sais pas d'ailleurs. L'aide-soignant, là, qui va lui dire alors le monsieur et tout ça, quoi. Hugo Clément. D'ailleurs, peut-être qu'il a été en centre avant. C'est vachement intéressant. Il y a peut-être une vraie enquête sociologique à mener là-dessus. Parce que la sociologie peut apporter des réponses. Ben voilà, le prochain sujet pour combiner. Passionnant. Non, je ne suis pas sociologue, mais un sociologue s'intéresserait à ça. Je pense que ça serait super, super passionnant. Se vanner, aimer, résister, ça c'est patient. Vous pouvez vous procurer le DVD si vous n'avez pas vu le film. C'est vraiment très réussi. Si vous aimez Grand Corps Malade, l'album vient de sortir. C'est son 6e. En CD ou en vinyle. Et sur scène à travers la France. Merci Grand Corps Malade. Merci Fabien. Je vais rejoindre votre place.